Salut Thomas, moi c'est Marie. Personne ne te force à venir, t'as savé chez moi. Bon anniversaire. T'as pas envie? T'es sérieux? J'ai l'impression qu'on n'avance plus. Je préfère partir maintenant, après ce sera trop difficile. Tu penses encore beaucoup à elle? Ça fait un an qu'elle m'a quitté. En fait, il y a votre bébé, il est tombé dessus. Tu peux rester avec lui, s'il te plaît? Mais je sais pas comment ça marche, moi. Non, mais ça marche pas du tout à cet âge-là. Tu pues. Je mets pas les mains là-dedans, moi. Je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est la Rolls. Avec ça, tu chopes la jeune maman, divorcée, sexuellement, elle est loin, enfin... C'est pas de ma faute si les femmes aiment les papas. Faut bien la chauffer, comme ça. Dis ça. T'as piqué un bébé pour aller voir Marie, mais t'es un génie. Thomas? Marie? Ça me fait bizarre de te voir, je m'attendais pas et... C'est à toi? Oui. Mais quel âge il a? Il est petit. Bah oui, ça me fait bizarre de te voir. Oui, ça me fait bizarre que t'aies un bébé dans les bras. Putain, c'est lequel le mec? Il s'appelle comment? Claude. Claude. T'as le bébé, mais t'as toujours pas la tête d'un papa. Le bébé, tu me le prêteras? Non mais Thomas, arrête, c'est pas un jouet. Voilà, t'es en confiance là. Et là tu donnes, et là c'est beau, là y a du geste. Thomas, tu vas trop loin, dis-lui la vérité. Faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi avec ce bébé, sa mère, Marie, parce que tu vas finir par leur faire du mal à tous. Tu débarques avec ton fils, après tu me dis que t'es séparé. Oh, tu cherches quoi Thomas là? T'es venu me narguer? Mais non. T'es venu me draguer? C'est des petites courses, quoi.